Bonjour et bienvenue, on est reparti. On va à la recherche des artefacts. Donc j'ai fait quelques petits trucs vite fait, pas grand chose, j'ai quasiment rien dans l'inventaire. J'ai pas de soins, je viens de me rendre compte que j'ai pas de soins. J'ai même pas mis ça dans notre vaisseau, c'est pas mal. Tout ça, voilà. J'ai pas de soins, j'ai quelques armes. Je voulais voir en fait si on pouvait faire les trucs sans trop de problèmes. J'ai récupéré tous les pouvoirs que je pouvais pour le moment. Il y en avait 3 ou 4 je crois. Donc c'est pas vraiment très intéressant. Du coup on va faire ça. On va commencer les artefacts. Du coup on va voir lequel est le plus proche. Tout simplement. On peut aller à Valo. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va récupérer les artefacts. Cimetière, mais qu'a oublié, ça marche. On va essayer de se stuffer sur le chemin aussi, au passage. Et après, une fois qu'on aura les artefacts, je pense qu'on va aller voir les Astriens direct. Alors je sais pas combien de temps ça va nous prendre, hein, parce qu'on fait... Ça va peut-être prendre 2 épisodes, mais on va peut-être faire ça. Et je vais faire comme la dernière fois, une fois que j'arrive au bout, je fais une pause et je fais les temps. On est avec Sarah. Celui-là, je crois qu'il est dans une grotte, hein, si je dis pas de bêtises. Très bien. Disait à Tabès sur l'avant-poste secret. Ah tiens, on a le... Ça c'est... Mantis. Je pense. Sérieux? Ouais, quand même. Merde, il est en train de partir le vaisseau. C'est pas grave. Je sais pas trop comment c'est géré le fait qu'il déguerpisse comme ça. Là ils sont partis. Hein. Par contre on a récupéré quelques objets. Je vais voir si c'est un truc intéressant. On a un kit de soins, ça va, il est en raccourci, très bien. On a un législateur, c'est pas vraiment intéressant. On a eu un cocher. Non, on va rester avec le pacificateur. Honnêtement, j'ai le pacificateur, je crois que c'est celui-là qui va faire le plus de dégâts pour le moment. Ok, on y va. On enchaîne. Je pense que je vais pas vraiment rester longtemps dans cet univers. Et aussi, mon armure a bien changé. Je suis allé vérifier, donc ouais. Mon armure a bien changé, c'est pas la même. Là, le casque qui est légèrement différent et tout ça. C'est très léger, hein, les différences, mais elle est différente. Bien sûr, les stats sont meilleurs aussi. Edin. Alors, on peut voir un peu le reste.
word and we'll get underway. Ici. Ça va vite hein, de faire ça comme ça. Honnêtement, je trouve ça que c'est super sympa de ce système-là. De pouvoir aller aussi vite pour faire les choses. Et vous avez remarqué aussi, je prends directement l'endroit où on atterrit pour éviter d'avoir des surprises. Parce que j'ai pas vraiment envie de combattre avec en étant en vaisseau. Je vais être franc. Parce que le vaisseau, je suis pas très fan. Ok, par là-bas. On n'a pas d'ampli, on peut pas courir plus vite, c'est chiant. Ça me manque en fait tous les consommables. Tous les boosts et tout qu'on se mettait. Ça me manque par contre. Je suis en surpoids ou pas? Non. Ça me manque beaucoup le fait de pas avoir ça. Parce que c'est vrai que. Ça prend un peu de temps en fait pour avoir une petite réserve de tout plein de soins, de choses et tout. Il faut quand même jouer pas mal de temps. Il n'y a pas vraiment de cache secrète on va dire. Bon là par contre j'ai la mission de Mantis. J'avoue que Mantis est plutôt cool pour s'équiper. Donc ça c'est une bonne chose. Donc si jamais je veux faire une pause pour m'équiper je peux faire ça. Je peux faire Mantis. Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Il y en a beaucoup de la gravité. On devrait peut-être récupérer un peu de... Enfin, je sais pas si je vais y rester, en fait. Quelques morceaux de métal, en fait. Ah, putain. C'est pour faire des drogues extrêmement puissantes en fait, le K et l'humide. C'est très intéressant pour ça. Ok, suivant. On a Wolf. Pourquoi je peux pas cliquer sur Wolf? Ah, dans la grotte, je peux pas partir depuis la grotte. T'es sérieux, je peux pas partir depuis la grotte? Tout à l'heure, je l'ai fait, non? Ok, bon. C'est pas très grave. Ah oui, aussi de combattre des Astriens, on récupère pas de balles, donc j'avoue que c'est un peu relou ça aussi. Donc j'ai pas beaucoup de matériel là. Attendez, c'est dans quel endroit ça? Ok. On est bon, on avance. Après, j'ai pensé au pouvoir qu'on pourrait utiliser, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de bon pouvoir. Je pense qu'encore une fois, le pouvoir pour faire tomber, c'est le mieux. Parce que on peut le faire plusieurs fois, en fait, avec une barre d'énergie. Je crois que c'est au moins deux fois on peut le faire.
Et le temps qu'on combatte et tout, il peut revenir assez vite. Donc on peut le faire 3 fois. On peut l'enchaîner plus ou moins 3 fois. Donc ouais. Après, j'aimais bien la glace. Mais au final, la glace, elle, le fait que les gens tombent, c'est quasiment pareil que la glace. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ralentir le temps, ça dure pas assez longtemps. Et ça épuise quasiment toute ma barre. J'avais utilisé la magie vampire aussi, le pouvoir vampire, pour récupérer un peu de vie, mais c'est trop lent. Ouais, non. Après, bien sûr, il y a le pouvoir de base, hein, avec la gravité, là. C'est vrai que c'est un peu le pouvoir de base le plus puissant, honnêtement, le plus utile. Je vais être franc. Après, tout ce qui est dégâts, tous les pouvoirs qui font des dégâts, c'est pas trop ça. Ah, peut-être là qu'on peut peut-être récupérer des trucs. Des dégâts, quoi. Les dégâts. Je savais bien qu'il y en avait une qui se cachait quand on descendait. Très bien, ça pourra me servir de soin. Très bien. Je referai des tests avec les différents pouvoirs, voir si s'il y en a un qui m'intéresse ou pas. Ah, personne attaque. Je me demande avec ça, avec... avec l'arme pour miner, est-ce que c'est un bon... C'est une bonne arme. Je crois que les formes changent. Pareil quand on reçoit des pouvoirs. Est-ce que je peux sauter de là? Il y en a un autre à Wolf? Ah oui. Il y en a un autre. Intéressant. Ah, ça va vite, hein, c'est fun. Honnêtement, c'est fun de faire un truc comme ça aussi rapidement, c'est marrant. Ah, là il va y avoir du monde par contre. Another deserted Helium 3 facility. Must have been abandoned when this room. Ouais. Sarah, concentre-toi parce qu'on va devoir combattre. Ça marche. Je regarde un peu ce que j'ai comme comme chose. On va mettre ça ici. Est-ce qu'on a quelque chose pour la défense? Pas vraiment.
Oh, la précision de merde. Je vais essayer de monter. Ok, très bien. Tu peux le finir ou pas? Ok, merci. Oh mon dieu, cette précision de merde, ce truc, c'est horrible. Vous avez vu ça? J'étais bien pile dessus au centre du corps, quoi. Ça, c'est... pourri. C'est abusé. C'est marrant de jouer avec ce qu'on trouve quand même. Moi je trouve ça super fun. Je crois qu'on a récupéré quelques petits trucs intéressants. Là, on va voir. On peut voir un peu. Alors, on a un cocher incendiaire. C'est du sans étui. Le sans étui, je l'utilise pas, on est d'accord. Hein. On pourrait peut-être l'utiliser du coup. Attendez, je sais plus. Moi j'ai 7,77. Ouais, ça, on peut le mettre à la place de ça à la limite. Cocher, c'est du sans étui. Et après, le pacificateur, c'est du 5, 15, 25. Ça marche. C'est pas beaucoup de dégâts. Hein. Il est parti, oui. What? Mais c'est pas lui. C'est pas top les dégâts. J'aime pas du tout le cocher. J'aime vraiment pas. Ouais, il y en a un qui a couru bien loin. Ah bah voilà. Ah, trop bien. Très bien. Ok, parfait. Go, 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 go. On rentre. Je crois que j'ai... Je trouve que des armures. C'est un peu chiant. Je vais les attraper pendant que ça vole. Non, 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 reviens. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a maestro, tambour, que des armures, comme d'hab. J'utilise quoi en vêtement? Point de vie et au 2,05. On va prendre ça.
Tu veux venir, Sarah, ou pas? What? Il est parti déjà? Très bien. Après, niveau... niveau... putain, j'ai tiré au-dessus. Niveau munitions, on est bien, hein. Niveau munitions, oui, il n'y a pas de problème, hein. On en a plein. Hein. Là, le ratio tir-dégâts, ça se passe. Attendez, j'ai qu'un aluminium. On va prendre la clé. Je sais pas d'où elle va la balle. Est-ce que c'est le la ligne de mire, enfin le la mire en fer là? On n'a pas l'impression. Hein. Alors le truc il est vraiment pas précis du tout. Évidemment déchireur. Le premier légendaire qu'on a dans cet univers, c'est une arme de mêlée. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah sinon ça va, on se débrouille, y a pas trop de problèmes. Ouais, nickel. Ah. Via pompe du vieux monde. Bon par contre c'est que... les munitions du fusil à pompe du vieux monde, c'est un peu la merde. Pourquoi je suis là en fait? Attendez, y a pas de... y a pas de truc ici? Si? Non? Y a pas... dis-moi, y a pas de... d'artefact? On regarde ce qu'on a récupéré. Ouais, non, mais l'artefact, c'est ouf. On va regarder ça. Alors, fusil du vieux monde, bah, on a que... ah il est bien hein. C'est sympa hein, on a que 10 cartouches donc ça sert à rien. Aïe 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 aïe. Enfin bref. Alors. Trouver l'artefact. T'es sérieux là? Alors le curseur il a mal montré. Ah, s'il y a peut-être une déviation que j'ai pas vue. Ma faute. Ouais, là-bas, là-bas.
faire attention à l'eau. Parfait. J'aime pas cet endroit avec l'eau là. L'eau contaminée, super dangereux. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand on voit des Astriens, on peut ne pas les combattre, hein. C'est juste en train de me demander. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. On va les aider. Je sais pas si j'arriverai à détruire le moteur en fait. Non, je vais devoir d'abord les détruire. Je combats parce qu'il y a les autres qui aident. C'est tout. Ouais. Pas de conversation, non? Rien. Ça va vite. Bon allez go. Ça m'a gavé. Donc nous là. Ils m'ont même pas remercié. Honteux. Honteux. Gear looks green. Ready to land. Je pense que je vais avoir un problème hein, pour combattre l'émissaire et tout. Je vais galérer. Hein. Je pense que ça va être notre pause quoi. C'est qui ça? Marche, let's go. À l'intérieur. Sarah, viens m'aider. Sarah,
Non? Ah, je crois qu'elle est trop occupée. Ils peuvent pas prendre feu. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils prennent feu. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pas grand chose. Ah, ça me gave, j'ai rien à voir comme ça. Je vais mourir. Je me suis bloqué. Je me suis bloqué. Je vais voir. Est-ce qu'on a du soin? Encore. Oh, putain, coup de poche. Stop les légendaires corps à corps, quoi, sans déconner. Ah là là, si c'était pour genre rendre la tâche encore plus difficile, c'est gagné, hein. Oh mon dieu, incroyable. Je suis tellement galéré pour faire quoi que ce soit. Regarde-moi cette merde. Bah, à la limite, on pourrait même l'utiliser, je vais être honnête. Peut-être que ça passerait bien. Qu'est-ce qu'on a comme... On a ça ou ça? On va prendre ça. Je sais pas, j'ai jamais testé quoi, couteau. Tant qu'on y est. Très bien. Ouais, c'est... Je suis pas très vendu. Pas très très vendu niveau efficacité. Très bien. Il est là l'artefact. On avance. Ouais, le plus dangereux là, c'est le fait de pas avoir de soin. Je suis pas allé en acheter. Enfin, le seul magasin où je me suis arrêté, en fait, il y en avait pas. Donc du coup, j'avoue que je suis un peu limite limite. Après, j'aime bien mon pouvoir en fait avec pas mon pouvoir, c'est comment s'appelle, ah non, la propulsion là, le jetpack, ça me permet de les repousser, de les faire tomber des fois, c'est sympa, et de les de leur mettre le feu aussi, et après de rester en stationnement et de ralentir le temps, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est extrêmement bien pour combattre, c'est super. Ah, pour ça, ça.
Très bien. On charge tout. Parfait, nickel. Il n'en reste plus qu'un. Je vais voir si on peut combattre... Les Astriens, je vais être honnête, je pense pas que j'y arrive. Non putain, je peux pas partir. Je vais être franc, je pense pas que je vais pouvoir y arriver. Les combattre en vaisseau, ça va être galère. Mais bon, on verra. Après, les combattre à terre, je pense que ça passe. Hein. On se fait. On se stuff au fur et à mesure qu'on y arrive. Quoi. Mais en combat aérien, ça va être la merde. Très bien, mine. C'est fun de jouer super rapidement comme ça, j'adore. Landing site locked. Take us in. J'avoue que l'habilité là qui augmente les effets des aliments, c'est pas mal. Surtout quand on est comme ça en fait, ça nous donne pas mal de soins en plus. Là-bas. Monde ou pas? Ça, si je le tue, ça donne quoi? C'est juste du tissu. Il est où le? Ouais, c'est là. Exposer là par contre. Take cover, brother. Cool. Qu'est-ce qu'on a? On a un sniper, je crois. Enfin, vraiment. Dis-moi que c'est bon. Encore une combinaison, super. Je vais aller là-dedans. Voir si on peut récupérer quelque chose. Ok, très bien. Il y a un mec derrière moi. Ah, il doit être en dessous. Aïe aïe aïe.
J'aime pas des fois quand il y a la gravité super super basse, on vole à chaque fois qu'on fait un truc. Alors, dis-moi ce qu'on a. On va prendre ça. Entrée alpha, dernière chance. Qu'est-ce qu'on a de bien comme arme? Même en gris. Nova Blast, ça c'est pas mal. Enfin, le M, oui, d'accord, mais. Cadence de tir, elle est horrible. C'est catastrophique. Alors, est-ce que t'as... rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Allez, on y va, ça. On avance. On va chercher l'artefact. C'est où le bouton? Il est là. Let's go, let's go, let's go, let's go. On l'est ? Ah oui, on l'est. J'avoue, j'avais pas vu. Bien vu, bien vu, bien vu. J'avais pas vu. Est-ce que ça me sert vraiment ? Récupérer tout ça. Allez, go, on avance. Je mettrai tout ça dans le vaisseau après. Ah, résistance aux dommages, aux dégâts, c'est bien ça. On peut le faire. Très bien. Quoi cet explos... Ah, c'est toi qui a défoncé le truc. Tu vas te calmer, Sarah? Genre t'es violente quand... Quand faut pas vraiment en fait. Allez, c'est bon, Cassos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bien. Salut, on vient d'arriver. De l'or. C'est une armure, j'y crois pas quoi. Sparrow, c'est par là.
C'est une armure, quoi, encore une fois. Nickel. T'en sors, Sarah? J'espère. On va retourner au vaisseau, je vais tout déposer, comme ça on sera léger. Et on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il faut faire un tour à la loge, je crois. Non? Ils sont où les méchants? Là-haut, ok. Ok, on est bon. Enfin, je crois. Ok, Sarah, faut qu'on parle. Like we've both been busy. Ooh. All the artifacts you said we gathered in your universe, we were able to track down in ours. So, what now? Alors, chasseur et émissaire se trouvent toujours au même endroit, ils auront les autres artefacts. From what you told us, it sounds like this hunter and emissary won't just agree to hand their artifacts over. If you haven't found all those temples yet, now might be a good time. Ça marche. Ah, du coup, je peux même plus me téléporter. Je peux même plus faire de voyage rapide. Du coup, on se casse. Pourquoi je dois encore lui parler? Ah putain, d'accord, on n'a pas fini la conversation en fait. D'accord, je les ai loupés, pas mal ça. Mon dieu, il y en a plein maintenant. Non mon dieu, ça part charger. Oh là 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 là, galère. C'est bon? Est-ce que tout est... Ça c'est pas rechargé. Encore. C'est bon, c'est rechargé, ça non plus. Ah, c'est bien, on passe 7 heures à recharger à cause de des problèmes. Alors, donc encore un casque en or. Qu'est-ce qu'on a des trucs en or? Enfin, c'est des armures, quoi, c'est abusé. Ça marche. Très bien, c'est quoi ça? C'est un sac? Oh mon dieu. Ah, c'est bien ce jetpack comme ça, ça tue. J'adore. Ah, plein de munitions, ça c'est cool.
Là, ça va, là. En fait, on n'a pas de bonnes armes. Faut être honnête, on n'a pas de bonnes armes. C'est juste ça qui nous manque. Mais après, maintenant, on a des munitions et tout, c'est cool. On va tuer le dernier et on va finir la conversation. Hop là. Oh mon dieu. Plus j'avance, plus il y en a, quoi. C'est pas mal, hein, cette technique. Sarah, on peut discuter maintenant. Eh ben. Looks like we've both been. From what you told us, it sounds like this hunter and M. If you haven't found all those temples yet. Ça marche. Oh, on avait vraiment fini genre la conversation. En gros, elle s'est arrêtée une seconde avant la fin. C'est abusé. C'est bon, on peut partir. Oh mon dieu, t'es sérieux? Je pense que je vais peut-être faire une pause. Parce qu'il faudrait que je me vide et tout ça, l'inventaire. Et comme j'ai dit, j'ai un peu peur que je n'arrive pas en fait à tuer l'émissaire et tout. On va se mettre du côté, cette fois on va se mettre du côté de... Oh tiens, il y a de la contrebande. On va se mettre du côté du chasseur. Je pense. Juste pour voir un peu ce que ça nous donne. Je veux bien y aller en fait, je veux bien tester. Attendez, d'abord il faut que je fasse ça. Alors, ressources. Hop. Ça c'est bon. Ça, faudrait que je vende. Très bien, très bien. On est encore à 259, ça va. Qu'est-ce qu'on a comme arme intéressante ou pas? Ou on a genre rien du tout de bien? Ouais, non. Là, j'ai 16 cartouches, ça sert à rien d'utiliser aussi, pareil. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ça me fera un peu d'argent. Si jamais je décide de vendre un peu les choses et tout ça, ça c'est cool. Ok, c'est parfait. Je vais faire une sauvegarde juste au cas où. Et on va voir un peu ce que ça nous donne. Donc rendez-vous là-bas. Je peux pas. On est trop loin peut-être. Genre, je peux pas sauter aussi loin, c'est ça? On va voir un peu. Well, it's you. Had you been busy collecting artifacts and weapon talk?
Alors, je choisis le chasseur. Ça marche, on va voir ça. Oh, c'est à Mazada cette fois. Oh mon Dieu, c'est méga loin. Il était aussi loin dans l'autre univers? Je crois pas. Hein. Je crois que le temple enfoui, il est enfoui, pardon. Il est aléatoire. Du coup, à chaque fois, il faut regarder par où on passe. J'aimerais bien avoir un chemin direct. Il faudrait bien avoir un itinéraire en fait, au lieu d'à chaque fois aller sur la carte. Ah, on a plein de pouvoirs qui sont débloqués à les récupérer. Ouh, regardez, vous avez vu devant? Il y avait des Astriens. Un truc aussi, j'ai remarqué, j'en croise beaucoup moins des Astriens. Genre en jeu normal, il y en avait plein qui arrêtaient pas de s'arrêter sur les planètes et tout ça. Là, pas vraiment en fait. Putain, je vais crever d'une force. Vous et quelques ça serait pour pas arrêter. Pardon, mais le chasseur était le meilleur allié possible. Il est niveau 72. Mon Dieu, même quand je suis invisible, il me défonce la gueule. Ouais, bah bonne chance. Je le touche ou pas? Oh mon Dieu, les dégâts! Je vais essayer de me concentrer sur merde, sur lui. Ok, très bien. Je vais essayer de pas me mettre devant lui, de continuer à le stunlock là avec les missiles à la con. Il faudrait que je ralentisse. C'est con parce que quand je suis en propulsion, j'ai plus de. Je peux plus accélérer ou décélérer en fait. Je vais pas faire ça sinon je peux plus me déplacer. Merde, des missiles qui arrivent. Chasseur, va falloir que tu m'aides, hein. Sinon on est mort de. Sinon on est mort de chez mort. Ah putain. Non mais laisse tomber, je vais pas y arriver, hein. J'ai déjà 22 de bouclier.
Ouais, bah dépêche. Tu peux te le faire solo ou pas, m'étonnerait. Le problème, c'est les deux autres, en fait. Si jamais on arrive à concentrer les tirs, genre si les autres, ils nous ont lâchés... Putain, tombez pas devant moi. Non. Oh mon dieu, il y a les autres. Non, 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 non. Défonce-le, dépêche, chasseur. Chasseur, chasseur, chasseur. Dis-moi que c'est bon. Sauvegarder. Faut que je les tue, les autres? Eh ben, c'est pas de la tarte. Il tire sur moi, évidemment. Je me suis défoncé sur sa carcasse. Sa paroi. Là, tu es en train de tirer dessus, maintenant. C'est nul les combats d'Astrien. Putain de merde. C'est tout pourri. Allez. Allez. Encore un missile. Oh yes. On va sauvegarder. C'est tout nul les combats d'Astria. Allez, c'est bon. Eh ben, c'est pas de la tarte, hein. Genre seul contre les deux, c'est impossible avec un vaisseau. Faudrait peut-être un vaisseau 5+, et encore. Si les deux ils sont niveau 70+, c'est mort. Faudrait plein de compétences pour augmenter... genre les missiles et les trucs comme ça, peut-être, j'en sais rien. Eh ben. C'était un peu la galère. C'était un peu la galère et le jeu vient de crash. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah mon dieu, faut qu'on refasse un combat. Ah.
Ça, c'est les combats d'Astriens, c'est nul. C'est complètement nul. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un épisode d'une heure. On va faire le combat. On va faire les combats. Ouais, on va faire les combats jusqu'à la fin. On va essayer. On fait ça en un épisode. Par contre, j'arrêterai juste avant de passer dans l'autre univers pour aller récupérer les temples, évidemment. Et on doit se retaper ça. Hey. Not bad. Once we're on the ground, you... Merci. Sauvegarder. Alors, temple enfoui. Ouais, non, mais les deux à 72, non. Il faut un vaisseau, faut un vrai vaisseau, faut un type 4. Un type C, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Un classe C, je dirais, pour combattre les deux niveaux 72 en même temps. Parce que ils ont sûrement... Je ne me rappelle plus s'ils avaient deux personnes qui aidaient... Ouh la vache, calme-toi. Let's go find the emissary, shall we? I'm sure we'll meet plenty of their friends along the way. Yes, look at us, working together. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Allez, on y va. Tu me suis là? Bon, ça devrait pas être très très compliqué. Je risque de manquer de soins. J'en ai pas. C'est juste ça le problème. C'est les soins en fait. On va voir. Ah, après je comprends pourquoi aussi il y a plein de cadavres ici. Dans un sens, vous pouvez vous équiper un peu. Was pretty inspired. Of course, we'll still need to kill a few Starborn too. Starborn, your duplication, really? I suppose yeah. Everyone is doing it these days. I'll just have to kill you a few more times. What the fuck? Mon dieu, je vais jamais le tuer lui. Ouais, c'est parce qu'il a le bouclier aussi. La merde de les tuer, oh la vache. Ça, t'y arrives? On est obligé de les tuer ou pas? Je suis en train de...
train de... Oui, donc si, ils sont marqués. Okay, très bien. C'est la galère, c'est même pas fun. ouais. J'avoue que c'est même pas fun. Supernova, c'est quoi? Maintenant. Plus de balles. Bon, au moins il fait pas vraiment mal. Bon, un de moins. Il y en a encore 3 à tuer. Non, mais jamais. Non, mais. Non, mais non, quoi. Oh mon dieu, j'ai quasi... Mais jamais. Non mais jamais là. Jamais de la vie. Oh, qu'est-ce que c'est pas fun. Je me tape tout le temps des armures aussi. Ça me rend fou. Non, c'est vraiment pas fun par contre. Plus de balles avec ça. C'est de la merde, Supernova. On a encore 4 à massacrer, c'est bien. Fait les bons dégâts ou pas? Peut-être le dot est pas mal. Maintenant que je vois un peu. Ouais, non, peut-être. Ok, ok. Bon, bah, on a appris un truc là. Supernova a l'air d'être bon en dégâts.
quand même me tuer. Eh ben. Ouais, ça peut peut-être marcher avec ça. J'avoue que les dégâts sont pas mal. C'est bien, on apprend. C'est vrai que ça c'est difficile, mais on apprend. Physique 75, ok, let's go. Attendez, on va les mettre en raccourci. C'était supernova. Non, c'était laser solaire. Faut que je me soigne parce que j'ai une infirmité là à chaque fois que j'ai. Je prends des dégâts et je crois que je perds tout mon oxygène ou un truc comme ça. Si j'ai évidemment. Alors. Ça. Ça, très bien. Oh mon dieu, hypothermie quoi. Faut trouver le... l'astrien. Bon ben voilà. Avec ça, ça marche un peu mieux déjà. C'est quoi ça, Grendel en or? Bon. Natalia, tu viens, toi même. T'es là. Ok, pas mal. T'as bougé ? T'es téléporté. T'arrêtes pas de te téléporter. Ok, parfait. Bon, là voilà, là on voit la différence quand on a une arme. Ouf, vache. Là on voit légèrement la différence. On a du 10, on a du 25, on a du 15, ça marche. Ouais, on avait fouillé un peu là-haut, ça va. On va juste avancer. C'est bon, je crois qu'on peut, on peut tenir là avec cette arme-là. Je pense qu'on peut le faire. On va regarder un peu ce qu'on a récupéré vite fait. Là, on est à l'intérieur, donc ça va un peu mieux se passer pour les problèmes. Je peux plus l'enlever, cool. On a récupéré ça, évidemment, c'est un full auto. Donc du coup, il a des dégâts horribles.
Ah, par contre, on va avoir une bonne arme, du coup. Parce que là, on va avoir l'arme du... de l'émissaire. C'est une bonne arme. Ok, you. Faut juste pas trop se prendre des dégâts, quoi, parce que on est limité en soins, faut juste faire attention à ça. Mais après, ça devrait aller. Ah, there you are. Enjoy your little jaunt to the multiverse. There will be a few more up ahead. Je sais comment le temps fonctionne, chasseur. Well, forgive me for showing even the slightest bit of concern for our latest and greatest Starborn. Pourquoi tu dis que je suis le plus grand? Ok, c'est parti. On va essayer de se buffer avec ce qu'on a. Genre ça. Ça marche, let's go. Pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Désactiver les défenses. Là, je suis content d'avoir trouvé cette arme, putain, ça tue. En plus, on a pas mal de balles. Ah, mais elle est avec moi, Sarah, je l'ai oublié. Alors, on va en profiter. Commande des tourelles. Recalibrer les paramètres alliés. Commande des robots. Ok, bon là on se réamuse, on va dire ça. C'est un peu compliqué, mais là ça va, c'est bon. C'est bon, tout le monde a arrêté de tirer, c'est cool. Bon, je suis content qu'on ait trouvé le supernova là aussi, qui fait très mal. Enfin, j'ai l'impression que c'est le dot en fait qui est vachement intéressant. C'est pas les dégâts purs, c'est surtout le dot. Faudrait que je prenne un peu plus le temps de vérifier si c'est vraiment. Vraiment ce que je pense. Là-bas, il y a du soin. Après, avec de la chance, peut-être qu'on aura une des bonnes armes. Vous savez, le combat final, là, il y a plein d'armes qui nous... Il nous propose plein d'armes. Oh, ça va être relou, là. Bien. Ils font pas très mal, eux, donc ça va. Bah là, ça y est, on arrive à la fin, là.
Là, il reste encore quoi? Un combat, je pense? Un combat par le... la téléportation, je crois. Finally, it's good to be back. C'est un peu étrange quand même. Come on, Rook. Come on. Barely step. No. Je sais pas si on peut discuter avec lui pour éviter qu'on le tape. What the? Crick, what kind of cruelty? Alors, doucement. What are you then? Une âme perdue. Perdre un membre de conversation est difficile, mais vous sortiez pour not sure if you're just a reflection of a shattered brain. Message reçu. Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. Ça marche. On peut te parler. Don't know if you're from heaven above or just some visitor from beyond. Bon voyage. That sight never gets old. The artifact awaits. It's time to end another cycle. Ouais, je sais plus si d'abord on récupère les armes ou pas. Je crois, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça marche, c'est cool. Allez, vas-y, fais-moi rêver. On prend tout. Plein de trucs. Partout. J'adore cet endroit. Genre surtout cette caisse avec plein de munitions, ça tue. Alors vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'on a eu de bien? Genre rien. Genre rien. Ça va, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va mettre ça parce que c'est quand même une bonne défense. Dégâts. Ouais, non, c'est ça le plus beau quoi. Après, on a le cocher, on a celui-là, 252. Ah oui, c'est un peu mieux lui. Oui, il est pas mal avancé là. Cocher avancé. Après, on a quoi? On a le lance-grenade. Bon, je sais pas, on va pas utiliser de lance-grenade. Pacificateur, j'ai plus de balles. On a ça. Ça marche. On est bon. Soin. Ça marche. Et là, je peux pas m'enlever quoi que ce soit. J'ai 7 soins. Ouais, ça va. Ça va aller. Faire une sauvegarde juste au cas où. Alors qu'est-ce qu'ils avaient dit? Genre de prendre une arme. Si je me mets une arme comme ça là, genre un couteau, ça passe. Genre les doubles ils vont être au couteau ou pas? Ah oui, regardez. Mes doubles ils sont au couteau. Intéressant. Il est où le machin? Astrien. Et là. Je l'ai loupé. C'est marrant, t'es au couteau toi aussi? Ah non, toi t'es à... Non, non. Et il est en train de brûler là, je pense. Ah, il va être là-bas. Doublon niveau 100. Oh la vache!
sais pas pourquoi t'es en mêlée. Ah, ça y est, il est mort. Je voudrais bien savoir pourquoi t'étais en mêlée. Mes doublons avaient un couteau, donc ils ont vraiment copié l'arme que j'avais. Toi, par contre, t'as pas vraiment copié, mais... Oh, est-ce que... Oui, je voulais faire ça aussi, parce que j'avais pas réussi la dernière fois. Est-ce que j'ai quelque chose pour... Le... Yes, parfait. Est-ce qu'on peut lui parler? Je vais voir si ça marche. Bon, putain, je suis content qu'on ait trouvé cette arme. Sans cette arme, honnêtement, on n'y arriverait pas. On n'y arrivait pas du tout. Alors, persuadé. Alors, fais voir. Putain. Vous n'êtes rien d'autre qu'un juste autoproclamé. Il y a de nombreux univers, non? Je gagne dans celui-ci, vous gagnez dans le prochain, c'est juste. Oh! It was a splendid piece of negotiation, rivaling anything I've done at Constellation. Huh! Et du coup, on n'a pas son arme. Bon, après, je vais être honnête, je m'en fous, mais. Look at us, a great team. Now the unity awaits. J'ai besoin d'artefacts pour assembler l'armée. Yes, you're right. Here. You've Donc lui. Once all the artifacts are together, the way ouais, lui il va venir avec nous, parce que l'émissaire, non. L'émissaire est resté dans l'univers. Ouais, le chasseur, lui, il veut. Je vais me faire à la maison sur votre ship de là en out. Je veux faire sûr que je suis nearby pour le grand moment. Ah, vous croyez que c'est un compagnon du coup? Bon, du coup, on n'a pas tué l'émissaire, donc on n'a pas son arme, on récupère pas son arme, mais c'est pas vraiment très grave parce que son arme. Si, elle m'aurait aidé parce que j'ai rien d'autre. Mais... Ah oui, c'est vrai qu'elle m'aurait aidé parce que j'ai rien d'autre en fait, maintenant que j'y pense. C'est pas grave, non, c'est pas grave. De toute façon, je compte récupérer les pouvoirs et basta. Donc tu viens avec moi du coup? Ah ouais. Non mais je vais pas le faire maintenant de toute façon, donc ne cherche pas quoi. Un pas de géant. Je vais voir si Vladimir il me donne les pouvoirs, les temples et tout ça. Normalement oui, hein, de vu ce qu'on a vécu. Du coup, je vais aller récupérer moi tous les temples. Je vais faire une pause maintenant, je vais récupérer tous les temples. Et ouais, on passera du coup au nouveau prochain univers. Well, et maintenant, voilà, ouais, parfait. Lucky I noticed the pattern in what... Parfait. Il y a Barrett Vasco avec nous aussi. Filled me in on what you said about the artifact. I'll admit, you really... You know what? I'll... And why not? I'll try to imagine it would... Hey, I'm just glad I get... Parfait. Finally, on va te mettre... These new universes won't know what hit them. Alors... I suppose we can do that. Look,
Yeah, that's why I said it. Oh mon dieu, Barrett, tu parles grave trop. Juste bien. We're looking for an artifact. The next, you're walking through outdoor talking about the Starborn. See you later. C'est bon. Par contre, je vais faire un truc, c'est ne pas dire à Barrett de trouver le pouvoir là. Voir si je le fais de mon côté ou pas. And she also but you y a Sam. Yeah, but it seems faudrait un moyen de pouvoir zapper les conversations plus rapidement, honnêtement. Ce serait quand même nettement mieux. Et après, il y a l'autre. Maintenant, il y a le chasseur qui est dans notre vaisseau tout le temps. Bon, bah, parfait. À tout le monde. Voilà. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Non pardon. Je vais couper là et on va reprendre et on va passer au prochain univers. Ok, tout le monde est en train d'aller au vaisseau, c'est très bien. Donc ouais, je vais couper là, je récupère les pouvoirs et on se retrouve pour la fin et on va directement dans un autre univers. Je pense rien faire dans celui-là. Je voudrais passer dans un autre directement. Je voulais voir en fait si c'était vraiment possible de rusher. Oui, honnêtement, oui. Là, j'ai mis longtemps parce que j'ai un peu joué sur le côté, genre entre le dernier épisode et celui-là. Donc, c'est à peu près 2 heures. Mais en gros, ouais, vous pouvez passer sûrement en 1 heure, vous pouvez passer au prochain univers si vous rushez et tout ça. Donc, c'est bien, honnêtement, c'est possible. Ok, je reviens. Et nous sommes de retour, donc ça m'a pris, je crois, littéralement 2 heures, honnêtement, pour récupérer tous les pouvoirs. Donc on va faire une dernière récapitulatif. Donc 3, c'est bête qu'ils mettent pas le chiffre directement. À chaque fois, il faut passer la souris dessus. Alors, il y en a un qu'on n'a pas à 3, mais qu'on a à 4, donc le soi parallèle. Mais sinon, tout est à 3. Ouais, tout est à 3. Donc le soi parallèle, encore une fois, c'est le sort en fait que vous pouvez récupérer avec Barrett. Donc techniquement, vous le récupérez 2 fois, je crois bien. Donc c'est pour ça que on est à 4. Par contre, dans cet univers-là, j'ai pas voulu le prendre avec Barrett. Donc du coup, parce que normalement, on devrait être à 5, parce qu'à chaque fois, c'est plus 1 par univers que vous voyez. Donc en théorie, on devrait être à 5. Mais voilà, j'ai pas voulu le prendre avec Barrett, parce que voilà, ça sert un peu à rien. Surtout que c'est pas vraiment un pouvoir que j'utilise, donc à la limite, c'est pas vraiment super intéressant. En tout cas, il y a notre chasseur qui est là, et ouais, on est bon. J'ai pris aussi un petit niveau, donc j'ai mis ça dans les fusils, donc ça m'aide un peu pour les dégâts, c'est plutôt cool. Parce que oui, j'ai remarqué quand même qu'il fallait quand même des, il fallait que je mette des points dans les dans le combat, parce que sinon je vais galérer à fond. On est parti. Escape trajectory plotted. Donc on va passer dans un nouvel univers et on va voir un peu ce qui se passe. Orbit steady. Encore une fois. Alors, il faut qu'on construise le bidule. Je sais plus comment le construire. Ah oui, c'est là. Hop. Ah bah oui, on est bon. Allumer. Ouais, non, c'est bon. Ça a mis tous les artefacts. Ah, voilà. Vous n'avez pas la... Ok, ça a mis tous les artefacts. Bon, bah, au revoir tout le monde. On va voir un peu ce que dit le chasseur. Mais bon, en théorie, on devrait même pas se rencontrer, en fait. Je dirais, parce qu'on va... On va chacun être dans une unité différente, en gros.
Donc ouais. Ah, il y a une chose que j'ai envie de tester. Je vais le tester maintenant. C'est est-ce que je peux enlever la musique complètement pendant les cinématiques et les effets. Désolé, parce que je voudrais en fait prendre ça en vidéo et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps. De toute façon, on a déjà vu ça plusieurs fois et on va le revoir plusieurs fois encore. Mais j'avoue que c'est fatigant en fait d'aller récupérer les pouvoirs. C'est franchement fatigant. Donc pour ceux qui spamment ça tout le temps sans arrêt, ben putain, c'est le meilleur moyen pour vous dégoûter du jeu. You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. Alors, vous dites ça à chaque fois. Do I? Welcome home, Starborn. As always, the path to a new universe is forward, past me. Or, you could turn around and return from where you came. C'est bon, on est prêt. De toute façon, on n'a rien fait dans cet univers. Est-ce qu'on va avoir des trucs qui apparaissent ? As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. Ooh. As the essence of who you are. Qu'est-ce qu'il a fait, le chasseur ? Throughout space and time. The hunter is reborn once again. His ethic of expediency and individual will spreads throughout the universe he leaves behind. Many will find the courage to rise and seize power from those who have it, for good or ill. D'accord. Ouais, c'est un méchant, quoi. Ah tiens, je peux enlever la première personne. Who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity. Ça marche. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for hope out there in the stars. Bon, bah, let's go. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you make? On verra. C'est ce passage en fait que je voulais utiliser pour des trucs, mais. Et du coup, il y a une musique par-dessus. Ouais, on entend quand même. Ben, on n'a pas fait grand chose dans cet univers, mais je voulais voir en fait si on pouvait vraiment skip beaucoup de choses. C'était un peu l'univers test. Genre, est-ce qu'on pouvait vraiment. Ah, le tonnerre à chaque fois qui est sur la gauche au début, à chaque fois j'ai l'impression que c'est chez moi. Je voulais vraiment voir si on pouvait vraiment rusher en fait, les combats et tout ça. Et bah, on peut. C'est un peu difficile, mais on peut littéralement vraiment rusher tout le bordel. Ce qui va prendre le plus long, c'est de récupérer les pouvoirs. Tous les pouvoirs, il y en a beaucoup de pouvoirs. Et ça m'a pris à peu près 2 heures en jeu. Donc ça, c'est un peu embêtant. On dirait un peu une araignée sur la Voie lactée, c'est bizarre. Avec les ombres, avec le jeu d'ombre en fait. Ben voilà, on a fini encore une fois, yay. Donc, ce qu'on va faire, alors je sais que cet épisode, du coup, il est un peu long, ça m'embête un peu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer donc à la loge et on va voir s'il y a des différences. Parce que là, on va être en NG plus 3, 4,
Je sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute, je sais plus. On peut avoir le bouton là pour passer? Ok, merci. Suffisait de demander. Alors, on se retrouve où? À Narion. Ok, parfait. Attendez. Avant toute chose, on va remettre ça. Audio. Très bien. Alors, faites voir un peu la tenue. On a une tenue. Donc, c'est une Locus. Combinaison spatiale astrienne Locus. C'est... Est-ce que le chasseur ou l'autre, là, est-ce qu'ils ont ça ou ils ont un truc plus avancé encore? Je sais pas. Donc on a capacité d'oxygène, on s'en fout. Résistance thermique, on s'en fout. Chambre d'enflammation, on s'en fout. Bon, que des trucs nuls, c'est bien. Bon, on a un peu plus de défense et tout, mais que des choses nulles. C'est super, merci, ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Alors, laser soleil, atmosphère privée. Et normalement, on a un 3. Ok, on a un 3. Ça marche nickel. Allez à la loge. C'est parti. Donc je vais refaire pareil sur cet univers, je vais zapper. Peut-être que je vais un peu jouer par contre, je voudrais faire des vidéos sur, sur les Rangers, sur Libras. Unregistered starship, we're detecting... Well, it's what we're not detecting that's an issue. What's powering that thing? You know what, just hold still while we do the contraband check. Scan complete. You're clear to land at New Atlantis. Merci. C'est bête qu'on n'ait pas toutes les tenues. Donc j'ai vérifié, hein. Donc à chaque fois on aura une nouvelle tenue. Qui est de mieux en mieux, hein, bien sûr. Et la forme, bien sûr, change. Donc du coup, il y a 10 tenues complètement uniques. D'Astrien, mais on peut pas les avoir en même temps. C'est bête. Salut. Donc ouais, on peut pas les avoir en même temps. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on a à faire? Le barman de viewport. Okay. Je sais pas si je l'ai déjà vu ce truc. Alors, hop, on va à la loge. On va voir s'il y a des choses un peu étranges. S'il faut, c'est à partir du cadre. Je sais qu'à un certain moment, on a des choses étranges qui se passent dans l'univers, mais c'est peut-être qu'on n'y est pas encore. Donc s'il y a rien de nouveau, bon, c'est pas très grave. On verra ça au prochain univers. Et du coup, on refera un peu la même chose. Hein. Du coup, on ira récupérer les artefacts et tout ça. On ira combattre. Et on passera d'un univers à l'autre tout le temps. Est-ce que ça risque d'être redondant? Un peu, peut-être. On verra. On verra ce qui se passe. Allez, bonjour. Bomba. Excuse me, this is a private. Wait. There's something familiar about you. Vasco, identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extra. I see. Vasco already. Alors, ignorer quête principale. You're a... You're taking their... Why don't we hear him out? All right. Les différents droits appelés l'unité, etc.
Ouais, je pense que ce sera au prochain univers où on va avoir des choses un peu spéciales. And if what you've told, I want you to check with you track down the artifacts. Chargez l'un d'entre vous dans mon univers, ça ne reprendra pas. Merci de votre confiance. If anyone in the set, now let's get out there. Ça marche, merci. On a ça à prendre. Sauf qu'on l'a déjà. Enfin, on est déjà au maximum avec les habilités. Okay, Vasco. Très bien, Vasco, tu vas là. Sarah. So. N'est pas Sarah que j'ai connue, je peux pas me demander ça, mais j'ai besoin d'aide. All right. I don't want to but I'll watch your back. Ok, très bien. Starborn or not, you're part of Constellation. I'm right behind you. Merci, tu gères. Parfait. Bon, ben voilà. On est prêt à repartir et faire des nouvelles aventures. Découvrir des nouvelles choses. Il y a plein de choses encore que j'ai pas découvert dans le jeu. Je vais être honnête, il y a encore plein de trucs que j'ai pas vu apparemment. On a un kit de soins, 5, ça là, ça on s'en fout, clé de la loge, découpeuse. Oh hey, est-ce que ça serait aléatoire les armes qu'ils nous donnent? Ou alors c'est de plus en plus fort peut-être? Parce que là tu viens de me donner plus ou moins la... Genre la meilleure arme du jeu, hein. les fusils à rayons à particules, là, les comme ça, là, ceux de Varune, là, ils sont extrêmement puissants. Ils sont extrêmement puissants. Bon, bah ça c'est cool. Ça c'est cool. Bah peut-être que je zapperai cet univers pour voir si on peut pas faire autre chose. Je verrai ça. En tout cas, on va s'arrêter là. Fais voir nos missions. Donc, parmi les étoiles, parler à Vladimir, il est où? Il est sur l'Iris, du coup. Ça marche. Bon, on fera ça dans un autre épisode, je crois. Dans le prochain épisode. Peut-être qu'on va le zapper aussi, cet univers. Ouais, on va peut-être le zapper. Je vais faire comme la dernière fois. On va aller récupérer les... Parce que là, en fait, j'ai une bonne arme. Donc, du coup, dans un sens, je suis un peu plus confiant. Donc, on pourrait récupérer les artefacts la prochaine fois. Je ferai une pause, je récupérerai les pouvoirs, pareil, on fait la dernière mission et tout ça. Et puis après, on arrivera dans l'univers prochain. Je pense qu'on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.